aujourd'hui, on a un débat en fait sur l'adoption du marketing digital par les PME en Belgique. En fait, PageDor.be a fait une assez grande étude pour vraiment mesurer le niveau d'adoption par les indépendants, les professions libérales et les PME de toute une série d'outils marketing digitaux et de voir dans quelle mesure c'était ou pas utilisé. La conclusion qu'on a essentiellement de cette étude, c'est qu'il y a encore du chemin à faire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de PME qui ne se rendent pas compte de la valeur ajoutée qu'a le marketing digital pour elles en termes d'augmentation de leur clientèle, en termes d'augmentation de leur chiffre d'affaires, du nombre de leads qui sont envoyés. Les PME ne consacrent aujourd'hui que 35% de leur budget au marketing digital. Het onderzoek wat gebeurd is toont aan dat die achterstand reëel is en op sommige vlakken dat het een hele grote achterstand is. Maar dat is denk ik niet verbazingwekkend. En ik hoop dat KMO's misschien op basis van dit onderzoek en andere initiatieven inzien dat zij de nodige stappen moeten zetten en dat ook voor hen digitaal gaan, online gaan, absoluut een noodzaak is. Mais je pense que ce qui est très intéressant à voir dans cette étude, c'est qu'au niveau des PME en Belgique, il y a un énorme potentiel à réaliser, qu'il soit économique et commercial, parce qu'on se rend compte qu'elles ne sont pas assez présentes, que ce soit sur les médias sociaux ou de manière générale dans le e-commerce, qui est un secteur en pleine croissance. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas de site internet ? Le point de départ, pour moi, ik denk dat wij heel goed moeten beseffen dat wij digitale consumenten hebben. Consumenten, burgers, klanten die eigenlijk elke dag met digitale toestellen rondlopen, met het internet verbonden zijn. En als je dan als bedrijf eigenlijk tegen hun zegt van ja, je kan ons niet via jouw vertrouwde digitale weg bereiken, dan ben je fout bezig. Dus ik denk dat we dat heel goed moeten beseffen als KMO. L'opportunité pour Internet, c'est de permettre à une PME, à une petite entreprise, d'apparaître aussi forte et de conquérir des marchés qui étaient jusque-là exclusivement réservés à des entreprises de taille plus importante ou à des entreprises étrangères. On constate aussi, et c'est un phénomène extrêmement important, que la liaison entre stratégie digitale, e-commerce et présence à l'étranger, exportation, est extrêmement forte. Donc, utiliser les canaux digitaux, c'est aussi une façon extrêmement efficace de pénétrer les marchés étrangers. Ik denk dat de digitale achterstand erg is, maar dat het net, zoals ook in de debatten werd gezegd, een heel grote opportuniteit biedt om nu opnieuw heel grote stappen te maken, omdat je met een technologie zit, met een matuurheid die nu in de markt zit, met lagere kosten, dus nu gaan.